Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien, nous espérons que vous allez bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dying Light avec l'épisode 34 et je crois, Fufu, que c'est le premier jeu coop qui prend autant d'épisodes. Oui. Et on n'est même pas à la moitié du jeu, enfin si on doit être à la moitié du jeu, je sais même pas en fait, je sais même pas. Je sais qu'on sera vers la fin quand on aura le grappin. Bien sûr, les 75%, on t'avait dit, hein, d'après les fameux, statistiques, oui. Évidemment. Exactement. T'as sûrement tombé sur une vidéo YouTube au hasard, et t'en as regardé non, 30 minutes de contenu. Pour le coup, je me pose la question, je me dis, quand est-ce qu'on débloque le grappin? Je suis tombé sur un guide écrit qui disait, vous êtes arrivé vers les 75% du jeu et vous avez débloqué le grappin. Je fais, bon, c'est ok. C'est plutôt cool. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. À savoir que là, on est sous les UV alors qu'il n'y a pas du tout d'UV. Regardez. Oui, oui, enfin, frérot, nos torches ne marchent pas sur nous, mais enfin, je suis là, ça marche. Bon, ouais, bon, c'est pas grave. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver, évidemment, dans cet épisode 34. Et les hommes sont là. Il y a un mec qui fait de la guitare, on est d'accord? Oui, on est totalement d'accord. Ici, il y a de quoi descendre. Oh, ça risque d'être phénoménal. On pourra descendre. Et donc là, on va se battre pour... Ah non, on va se battre encore sur le toit. En fait, le truc pour descendre, Fufu, c'est si on veut faire d'autres quêtes. Non, c'est si on veut faire d'autres quêtes. Là, je pense que ça va être un tournant dans le monde du jeu vidéo. Vu que ça va être notre première antenne. Allez, go! Allez, let's go! Pas mal. Non, bah je pense. On va relancer le truc. Oh, il joue bien, en plus. Je peux me joindre à vous? Fais comme chez toi. Comment tu sens la mission, Aiden? Mal. Très mal. J'en chie dans mon froc. On fait quoi? On va y arriver. En vrai, j'ai envie de dire j'en chie dans mon froc. Vas-y, là, y a j'en chie dans mon froc. Non, mais... Franchement, je suis pas super optimiste. C'est assez pourri, c'est vrai. Mais le lieutenant Rove est toujours là pour nous sauver les miches, hein? Dommage qu'il a pas dit j'en chie dans mon froc. C'est vrai. C'est pas un marrant, Rove. Sympa les bottes. Ah, sympa tes bottes. Ah, merci, je les ai trouvés au bazar. Et pas cher en plus. Hop là, oh non, pourquoi t'as fait ça? Il va plus s'arrêter maintenant. Ouais, il a troqué son couteau de pacificateur pour les avoir. Quand Rove l'a su. Corvée de chiottes pendant une semaine. Mais ça valait le coup, hein? J'ai aussi repéré une chouette veste au même endroit. Elle est encore un peu chère pour moi. Mais avec cette mission, j'aurai bientôt de quoi me la payer. Ouais, ok, t'as pas bientôt fini. Oui. On s'en cogne de ta garde-robe. T'es juste jaloux parce que t'as l'air d'un cul et que c'est moi. PK40, peut-être en 4. Ah non, tous PK40. Ouais, ouais. Elle est morte. T'imagines. C'est pas marrant, Rove. C'est pas un marrant, Rove. Tu m'étonnes. Tu connais l'histoire? T'as vu les brûlures sur son cou et son visage? J'étais là quand il a foncé dans une zone sombre en flammes pour en tirer un soldat. Oui, ouais, il n'est pas toujours plaisant, mais... Il n'y en a pas beaucoup là, qui auraient envie de les comme lui. Il a sauvé mes enfants, c'est clair. Et mes 8 enfants d'un immeuble en feu. Et ils sont morts. Bouffez ok, pas, hein. C'est le moment de se reposer les yeux. Un instant, messieurs. Un petit quelque chose pour la nuit. Waouh! Trop fort, lieutenant. C'est quoi? J'ai pas mis à nos camarades disparus. Ah, il pleut. Ah ouais, take it, hein. Ça va comment pour ça moi. Non. Merci. Oh, je suis con. C'est pas de forcé. C'est pas perdu. Oh, je suis con. Vous vous en sortez, les gars? En fait, oui, lieutenant. Il y avait on a connu pire, le, hein. Je pensais qu'il allait dire au mec, bah, reprends-le, tu sais. Ouais, le ouais, mec. Toi, prends-le. Et donc, j'ai pas quitté, j'ai fait l'autre par instinct de survie. Encore une bonne alors, histoire au contraire, à raconter le à nos familles, pas vrai? Oui. Et comment, chef? Il y a un truc qui m'emmerde, Aiden. On n'arrivera jamais à boire une bière. Les renégats. De quoi, les renégats? Ils sont partout. Ils se répandent dans les rues comme des cafards. Mais ici, la plus grosse antenne de la ville, un point stratégique, et pas un renégat en vue. C'est pas comme s'il y avait une logique dans leur truc. C'est pas faux. Pour commencer, quelqu'un remet le courant. Pourquoi? Ensuite, j'ai interrogé un officier renégat. Il m'a sorti un truc sur des installations du GRE qu'il serait en train de chercher. J'ai pas pigé grand-chose. Il a parlé du X-13 ou un truc comme ça. Je me demande bien ce qu'il trafique. X-13. J'en ai déjà entendu parler. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as appris? Je sais que Wall sait aussi sur le coup. Une idée de sa position.
Ouais, si ça existe vraiment, il pourrait s'agir d'un complexe du GRE, top secret, super bien caché. Quand on en aura fini avec cette saloperie, on pourra peut-être essayer de découvrir ce que c'est. Mais pour l'instant, va dormir un peu. Les infectés nous préfèrent quand on est bien reposé. C'est chouette, ça. Ok. Bah, on va en profiter pour regarder un peu notre inventaire. Moi, j'ai équipé les petites grenades et tout. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, j'ai pu en essayer une. Ça met du temps à péter, fais attention, tombe pas dans le panneau. Et si on la garde dans la main, est-ce qu'on peut... Peut-être tu la gardes un peu longtemps, après au dernier moment, pouf. Ah, ils nous ont forcé à nous reposer. Bah, t'as apporté l'émetteur ? Bien au chaud dans ma poche. Hop, les petits 0 XP qui font plaisir. Exactement. Alors, attends. Affiche le truc. Inventaire. Je vais prendre un giga cocktail Molotov. Check tes... Tu vois ? Hein ? Check ton inventaire au cas où. Ah oui, bah là, tu peux pas faire meilleure armure. Ah ouais ? Ouais, bah moi, c'est pareil. Voilà. C'est une déception. Voilà. Allez, ce qui est bien, c'est qu'on se repose, il fait toujours nuit. Ça, c'est beau. Après, on est en intérieur. Ah bon ? Oui, parce que là, il est 8h06 du matin. Ah, bah excusez, j'ai été très mauvaise langue. Je suis une petite salope. Allez, go. Salut. Mal. Oublie pas qu'on est en taupe, hein, hey, parce qu'on avait écouté au super bien. On fait ce qu'on peut. Pas on vrai, doit poser un émetteur caché. J'ai pour... J'ai de bonnes nouvelles pour toi. J'ai reçu des infos concernant un toubib du GRE. Qui ça ? Où ? Il me faut du temps. Finissons d'abord le boulot ici. Ouais, donc toi et les gars, grimpez au sommet de la tour et installez l'émetteur. Rove sera avec moi, en bas. J'y vais aussi. Rove, tu remets ça ? Vraiment ? On a un plan. Le plan, je l'emmerde, on sait pas ce qu'il y a là-haut. Hors de question qu'ils y aillent seuls. Le plan, tu l'emmerdes ? Je perdrai pas une autre équipe. Tu sais que je dois y aller. T'as intérêt de revenir, putain. T'as compris ? Il fait oui, chef. Peine, Rob. En vrai, enfin... Si t'as besoin d'un truc, tu me contactes par radio. Voilà, frère. Ça va, au boulot. Chef, tout va bien ? Allez, en route. Il est encore tout huilé. Ce qui est bien, c'est qu'ils appuient tous sur la touche 5. C'est le cinquième étage. Tout se passe au cinquième étage. J'aurais pas pris l'ascenseur. Le sommet du bâtiment, c'est le cinquième. Et y'a pas un qui sort une arme, là. Ouais, une petite musique chill. Non mais là, la porte s'ouvre, y'a 8 zombies, y'a pas... Tu racontes une blague ? Non, Wersboski. Bordel. Ah, je t'en supplie, mec, je te file mon dernier slip propre si tu nous épargnes une de tes blagues de merde. On se calme, messieurs. Ah. Wersboski. Désolé, boss. Je dirais rien. Tu chantes faux, crétin. Ça fait comme ça. Commandant, qu'est-ce qui se passe ? L'ascenseur s'est arrêté. Instabilité du réseau, c'est un gros bâtiment, on s'en occupe. Je crois que c'est un piège ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un zombie qui va forcer la porte, là ? Ok, les gars, il va falloir un peu de temps pour réparer, et on n'en a pas. On va y aller à pied. Vous êtes à quel étage ? 30e. Il en reste donc 50, jusqu'en haut. Allez, les gars, vous avez entendu le commandant. Ouvrez-moi ça et en route. On va faire 50 étages ? Je pense qu'il faut tous pire. Tu te rappelles, on aurait fait cette remake quand t'as le choix entre prendre l'ascenseur et prendre à pied comme un connard. Ouais. Et que je me suis tapé tous les étages de la Shinra. Tu te les tapes tous. En reconnaissance. J'ai mis une demi-heure. Une vraie demi-heure. Hein ? Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je pensais que l'ascenseur était piégé. Et je me suis dit et ils ont dit ouais le plus safe serait de passer par les escaliers de service ou de prendre l'ascenseur. Ah oui mais t'évites un boss je crois. Bah j'ai évité le boss. Mais putain, c'est long. Et ta barrette qui se plaint à chaque étage. Ça, c'était drôle. Bon, mais là, ils vont tous se faire embarquer, je te le dis. C'est bizarre.
Wierzbowski, fais gaffe. Bon, lui, première victime. Oui. Ça a l'air bon. Wierzbowski! Ah! Et tu meurs. Non. Doug Johnson est mort? Ben oui. Ou en tout cas, il se bat. Et nous, on est dans l'ascenseur enfermé. Et je pense qu'il... C'est bon, j'ai réussi à rallumer les ascenseurs. Bon, bah, il y a des boomers, hein. Aïe, bon, aïe, on va aïe. Peut-être se transformer en Super Saiyan, par contre. Bah, il serait temps, là. C'est dommage que là, quand t'es proche de la mort, tu puisses même pas, une fois de temps en temps, aléatoirement, te transformer en Super Saiyan. Bah ouais, je me dis qu'à tout moment, tu sais, des zombies horribles, genre niveau 4, bah hop, on pourrait tirer les Free Fight au calme, tu vois. Oh, merde. Ok. Mec, il y a des bouteilles pour... Oh putain, j'ai tiré une bouteille! Non mais en vrai, c'est bien joué, au moins, regarde, il a explosé. Bah oui! J'ai tiré des bouteilles, hein! Bah j'en cherche une depuis une demi-heure. Bah... Oh, on est mort, là. Oh ok, en fait, faut courir, ils ont un temps de... avant le boom. Ouais. Quoi? Je les fouille, je les fouille. Adieu, adieu. Bordel de pute. Merde. Pardon, excusez-moi. Bon. Ok. Hop. Oh la vache. C'est la gueule. En plus, c'est qui, mais tout, c'est salaud. Mais ça c'est pas jamais. N'importe qui, eux. Hein. Regarde, on en a encore un là. Oh, prends l'UV. Ouais, mais par contre, ça file des trophées inhabituels, donc on prend. Et à toi, non, je crois. Putain, j'arrive plus. Bah, tu peux tomber des barres. Oui. Si j'ai un pour toi que tu t'en vas. Pouf. Ok, bon bah, GG. Il faut faire quoi? Ah mais ils viennent à l'infini tant qu'on n'a pas fouillé, bordel de merde. Arrête de me sauter dessus, tiens. UV. Ouais, c'est écrit tuer les infectés. Déjà. Ah putain. Ah mais y'en a un au fond, il casse les dents là. Vas-y fouille, je fouille. Oh non. C'est le frère qui m'a sauvé. Non, tu peux m'aider. Oh, attends, je tue le connard qui crache là. Et bon. Puis je vais mourir. Ah mais oui. Ils viennent à l'infini, hein. Oh okay. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, bah parce que j'ai fouillé. Jack, t'es là? Il y a eu... une attaque. Il reste que moi. Bon non, il manque la moitié des corps, il abuse. Je sais pas. Tiens, viens fouiller là. Je m'envoie pas. Ils sont en train de ramasser ça. Aiden, Rove avait l'émetteur. Trouve-le. C'est notre dernière chance. C'est pas le moment de pleurer. Il faut trouver Rove. On t'envoie de l'aide dès que les ascenseurs seront réparés. Je vais faire ce que je peux. Ouais, attendez, ouais, je peux faire mon deuil quand même. Ouais, quand ils sont tous morts quand même. Hein. Oh, t'as un pote oh. Là-bas, il y a une autre, y a un autre kit de son. Là, là, tu vois, il faut plusieurs joueurs. Viens. Il y avait un kit de soins ici. J'ai. Rove. Ok, je suis là. Il faut que tu sois là pour pousser, mais je suis le seul à pousser. Non. Ah bah il est là. Il va dire oh putain encore une sale journée. Il va dire, je suis pas encore mort gamin. Aiden. Non. Tu t'en es sorti. Je croyais que t'étais mort. Il est encore plus laid que d'habitude. Mes couilles, ouais. Tu vas t'en tirer, Rove. Tiens bon. Oh, c'est ça, ouais. L'émetteur... Le sang est quand même très mal fait. T'as dit que tu l'avais. La tâche qui est grossie, mec. Le perd pas, Aiden. Le perd pas. Aiden... Je crois que... T'auras jamais ta médaille en patate. Hein? Vous me retirez ma promotion, lieutenant? Oh, la ferme.
Mais... Oh, nos plaques. Je veux pas qu'on oublie, Mika. Si tu trouves un corps, récupère sa plaque. Oh, il le mérite, fiston. Tiens, l'émetteur. Oh, dis-moi pas qu'ils ont fait un système de collection de plaques maintenant. Non, mais pour enfants, c'est une quête secondaire. Genre trouver les 900 plaques, tu vois. Non, non, je pense que c'est juste pour là, ce niveau. Oh putain, il a une main en moins, wesh. Oh bah là, il a aucune chance. Hein. Attends, bouge pas. Bouge pas, en son honneur. Bouge pas. Oh non, bah on ne touche pas à Rob. Je suis dans la merde. Les pacificateurs sont tous morts. Je t'avais prévenu. Je te jure que si tu meurs, je trouverai un moyen de réanimer ta sale carcasse juste pour te buter moi-même. Épargne-moi la leçon, ok? Oh, il est amoureuse. Tu veux bien descendre de là? Hein? Je vais pas descendre. Je dois monter davantage. Je vais trouver un moyen de monter. Très bien. J'attendrai. Je crois bien. Je crois bien parce que je vois des bouches d'aération. C'est noir où on voit pas le fond. Donc c'est un spawn. Faut aller où? Il y a plus de bruit que de zombies, mais bon. Bah attends, mais que ça continue comme ça. Ah, quoi? Oh merde, c'est bloqué. T'as fouillé les plaques ici, la One. Bah c'est j'arrive pas, je peux pas. Je vais chercher Franck. Brouille-toi. Oh, techniquement, après, techniquement, ici on est safe, hein, puisqu'il y a le. Derrière, derrière. Zombie. Deux. Quoi? Tiens, bah, au truc alors, non? Ah, mais non, tu croyais que. Pourquoi t'as tiré safe? Bah, parce qu'il y a un UV ici, là. J'arrive. Est-ce que t'as eu Franck? Ah, ils s'en battent les couilles. Oh non. C'est bon, il ne peut pas exploser dedans. Il a explosé dedans. Ouh, mon guerrier. Non. Je hurle et on leur casse tous la gueule. Ouais. Enfin, libérez Akane. Let the devil in out. Let's fucking go! T'as le bruit qu'on fait, on va les fouiller, dommage. On fait un bruit énervé, là. Ouais, putain, tu mets une patate, frérot, c'est Dwayne Johnson, littéralement. La One! Bah attends, t'as bien une cinématique, là. Bah, j'ai un nez fondu au noir, là. Oui. Aiden, Aiden, j'ai trouvé Franck. Enfin, ce qu'il en reste. Aiden, t'es où? On a fait un petit rototo de zombies. Wow, regarde ce qu'il y a par terre. Les infectés, regarde tous les trophées inhabituels. Ils ont explosé. Putain, je te l'avais dit. Regarde tous les trophées inhabituels. Attends, Thomas. C'est terminé pour lui, la One. Tu fus? Oui. Attends, je suis en train de me faire bolos par un zombie. C'est ici que j'ai perdu tous mes traceurs. Hors de question que ça recommence. Tu fus? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est tout ce qu'on a tué. Il est là-bas et il a besoin de toi. Alors, c'est bien. Il a surtout besoin d'un cercueil. Franck, espèce de vieille garde pourrie d'alcoolique. Oh, tout le monde parle. Pourquoi tu te bouges pas la couenne pour une fois? Mais what? Mais gros, ça nous a régalé pour la fin du jeu, là, non? Je te jure. Dans la cage d'ascenseur, un ou deux étages au-dessus de toi. Attends, j'ai rien loupé, là? Si, un là. Alors ça, par contre, c'est plaisant. Parce qu'ils y ont pensé, ils ont pas fait les rats, tu vois. Ouais, je me suis dit, putain, tout ce qu'on tue, là. Ouais, mais dans ma tête, c'est que je t'avoue, j'ai essayé de les fouiller quand on était transformés. Et je me suis dit, oh non, on peut pas, on passe à côté de tout ça et tout. Ah non, hein. Non, ça régale. Quel bonheur. Là, ça régale. Ouais, ouais, ouais. On va pouvoir upgrade des trucs. Ah, ça paraît logique, mais bon, avec le jeu, on n'était jamais à l'abri, tu vois. Couteau de jet encore, hein. Incroyable. Attends, 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 mon inventaire, c'est catastrophique. Hop, 6 couteaux de jet, on va mettre ça. Et grenade, on est bien. Moi, faut que je jette des trash armes, là.
Bah écoute, Fufu, comment t'as été en haut? Bah j'ai sauté. Bien joué. J'avais oublié le but du jeu pendant un moment. Ah, trash weapon, trash weapon, trash weapon. Attends, t'as acheté une arme légendaire, mec? La hache historique? Ouais, mais un coup et elle meurt. Bon, bah j'ouvre en attendant. Fufu, t'inquiète pas! Occupe-toi de ton stuff! Oui! Ok, qu'est-ce qu'on a là? Il faut que tous les joueurs soient là, qu'est-ce que c'est ça? Je suis là. Trouver l'équipement des traceurs nocturnes. What? Vas-y, viens, t'es où? Ah, c'est les traceurs nocturnes de. Non, mais attends, qui est con, putain de merde? Tu t'es encore trop pressé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a trébuché mon personnage, t'as vu le petit truc? Non, mais il faut que tu sois là juste pour que je prenne ça, oh là là. Oh. Ah, c'est grappin! Ouais, mais c'est vraiment pas étudié pour le coop. C'est le grappin, ça? Bah, ça me fait une gueule de grappin pour moi. Franck, je l'ai trouvé. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un grappin. Un lanceur de cordes. Un quoi? Ça t'aidera non, mais... à grimper. Vise un truc auquel l'attacher. Un quoi? Et lanceur de cordes. Essaie d'accéder à la terrasse avec. Et préviens-moi. Un lanceur de cordes? Quand tu jettes une corde? Bah, directement oui. C'est vrai. Et tu jettes plus la pointe que la corde. Oui, mais il y a une corde au bout. Ok. Ok. Oh putain, faut l'équiper. Ça prend vraiment un slot. Vous avez reçu un grappin qui vous permet de vous balancer des différents objets et traverser le décor plus efficacement. Le grappin peut s'accrocher à toutes les surfaces sur lesquelles apparaît le réticule. Les meilleurs itinéraires sont indiqués en jaune. Appuyez, visez et appuyez sur L2. Ok. L2, ok. Bah ouais, bah faut l'équiper. Faut l'équiper en quoi? Bah à la place de là où il y a les molotovs et tout. Oh non. Bon, de toute façon, en vrai, on n'utilise jamais la lampe torche. Bah les couilles. Ah oui, c'est la lampe torche ouais, ou le grappin ouais, ah non, ouais, on peut mettre ouais, les deux, non, c'est bon. Non, mais on n'utilise jamais la lampe torche UV, si, tu utilises toi? Moi, j'utilise, ouais. Oh non, je suis un connard. J'ai jeté un couteau de lancer. Oh non. Mais, putain. Je voulais voir si on pouvait le mettre partout. Ça fait plaisir, il y a des nouvelles qui donnent le smile. Bah, tu peux. Tu peux, hein. Oh, quel bonheur. Là, c'est cool. Bon, bah, on a 75% alors, en fait. Ouais, si le truc n'a pas menti. Et là, à la fin, vidéo prank, j'ai pranké Dark Funeral 972. Tu fumes? Oui. T'as un crochet? Je pense, oui, que j'ai un crochet, oui. Non, si j'y arrive pas. Bon, j'ai réussi parce que tu sais que c'est mon domaine, le crochetage, depuis 45 000 épisodes. Bien entendu, vous êtes un crocheteur né. Oui. Le Capitaine Crochet, on vous appelait à l'époque. Mais tu sais pourquoi ça sentait la fin? Pour qu'il nous donne autant de trucs en vrai, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que là, on va pouvoir upgrade nos soins en légendaire. Je crois que je commence à avoir le coup de main, Franck. Ouais, c'est simple. Mais ça peut te sauver les miches. On va où maintenant? Oui, je me permets de tout cela. J'ai vu. Tu dois monter d'un étage. Tu voulais prouver ta force au chat. Exactement. Tu t'es dit, je peux enfin servir à quelque chose. Exactement. La principale crew est infectée. Allez. T'as plusieurs niveaux à grimper. Oh non, Fufu. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh putain, je me suis tapé la tête sur le plafond, j'ai cru que j'allais pas passer. Hein. Bah moi c'est le contraire, je me suis tapé la tête sur le robot. Et t'as cru que t'allais pas passer non plus? Si. Attends, y'a des petits fleurins qui traînent. 4. 3. Bah... on peut l'accrocher partout, Fufu. Hein. Ouais, j'ai fait un speed. T'as vu? Je pense qu'il faut courir là. Oh ouais, faut courir. Vers la vidéo de la Fufu. Mais c'est, on aurait dû tellement l'avoir plus tôt, quoi. Ouais. Bah surtout déjà, dès qu'on arrive dans cette ville, on aurait dû l'avoir. Dans Daylight 1, on l'a eu direct. Quoi? Ça vient d'exploser en l'air et ça, c'est beau. Dans Daylight 1, on l'a eu direct de mémoire. Hein. Bah, la verticalité était moins gênante dans Daylight 1. Bah, il y avait moins de verticalité. Oui. C'était pas des gigantesques buildings et tout, pour le coup. Mais on l'a quand même eu direct, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On l'aurait eu, genre, à l'arrivée de la ville, ça aurait été terrible. Ça aurait été trop bien. Alors, attends. Ah, c'est par là qu'il faut monter, ok. Bah, l'arrivée de la ville, parce que, tu sais, la map est coupée en deux, ça aurait été beau jeu, justement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Genre, c'est la one à sa rencontre, tiens, elle prend le grappin. Ça ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'accord. T'es là, fais fuite avec moi? Attends, je suis en train de grimper. Je vais à l'objectif, hein. Je grimpote.
Je suis perdu. Ok, j'y suis. En fait, je suis perdu. Comment t'allais là? Mais attends, parce qu'on a loupé plein de conteneurs d'inhibiteurs en vrai, hein. Je crois dans le bâtiment d'avant, hein. Tu te souviens? Il y en avait au moins un. Dans le bâtiment d'avant. Bah ouais, il y avait un conteneur d'inhibiteur en bas, t'as pas fait gaffe, et on l'a loupé. Je suis mort. Mais comment? J'ai trébuché, chef. Attends, là il y a un problème. What is the problem? Ah, faut passer par là, ok. Attends, Fufu, il y a un problème. Il y a un conteneur. Oh. Bah, le problème, c'est que je comprends pas comment on monte là. Allez, fais un effort. Merde! T'es grand! Alors attends. Mais qu'est-ce que tu branles? Je suis sur un conteneur d'inhibiteur, je crois. Non, je suis pas du tout sur un conteneur d'inhibiteur. C'est bon, il s'est enfin accroché. Attends, Fufu, il y a un problème. Ah, conteneur d'inhibiteur à proximité. Mais là, il y a un ascenseur. Mais il est vers moi. Mais où? Comment t'es monté là? Regarde, t'es où? Ah, mais je suis con, il est au-dessus. Bah, ascenseur, frérot. Il est encore au-dessus, putain, mais ça s'arrête pas. Ah oui, je vois okay. 9 mètres. Conteneur d'inhibiteur, monsieur Funeral. Let's go! Oh, 3 d'un coup! Oh, il rigole. Santé ou endurance? Santé, hein. Santé encore, tu crois? Ah bah, endurance, en vrai, on est niveau 10, hein. Je sais pas ce que ça représente. Je sais pas non plus. Hein? Je sais pas non plus. Non, mais je sais pas si c'est bien ou pas à notre stade, je pense que c'est bien. Je sais pas si le maximum c'est 3. J'avais vu un truc, il fallait 360 d'endurance. Donc je me dis à tout moment, peut-être se remettre un coup d'endu. Mais santé, on prend deux patates, on est en sueur, tu vois. Tiens, on a presque 350. Mais après, ouais, mais t'as vu, ça augmente tellement peu. Tu viens ou pas, gros? Ouais, bon, mais quoi, santé ou endu? J'ai mis santé. Donc normalement, tu seras à 8 et à 10. C'est ça. Attends, j'ai les doigts qui se crispent. Qu'est-ce que tu branles? Bah, je me suis mis de la force et ça fait... On y va ou on s'arrête là? Parce que imagine, c'est long. Je pense pas. Ok. Je te rappelle que les thématiques ont un temps chargement. Ton argument était bon. Je suis sur la terrasse. Cool. Tu vois mon resto? Ouais. C'est minuscule vu d'ici. Cool. Ouvre ton parapente, saute et vole jusqu'au fichage. On se retrouve là-bas. Attends, quoi? Il est temps de mettre un terme à tout ça, Aiden. T'as un parapente. Sors de là quand tu peux. Franck. Je dois monter, t'as dit que tu m'aiderais. Aiden, des gars mieux entraînés que toi sont morts là-bas. Hors de question, je t'envoie dans la gueule du loup. Franck, je monte. Avec ou sans toi. À moins que tu sois trop bourré pour le comprendre. Lawan m'a dit pour ta sœur. Elle doit être morte à l'heure qu'il est. Mais pas toi. Descends, et tu vivras. Je t'emmerde, Franck. Je monte. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bah... on sait pas, mais on le saura lors du prochain épisode. Hey. Et ça, c'est un bon teasing. Un cliffhanger. Attends, on va peut-être lâcher Marie. Tu parles à un homme mort, Lawan. J'arrive. Attends-moi. Tu quoi? Alors, jamais de la vie, quand Lawan. À ce moment du jeu, tout le monde veut sacrifier pour nous, ça fait peur un peu, non? Bah c'est qu'il y aura un sacrifice. Non, mais c'est qu'on approche vraiment de la fin, là. Ouais. Bref. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On vous dit à très bientôt. Et Fufu, yes. Est-ce que t'as une petite blague ou un petit truc? Oh putain, attends, non. C'est quoi? Histoire qu'on fasse 30 minutes et qu'on soit dans les règles. Capture des trucs jumelles, là. Au moins, c'est fait. Ça marche? Bah, bien sûr. On est pas trop loin de tout. Pourquoi ça marcherait pas? On est sur la plus grande route de la ville. Hein. Grande tour de la ville. Je ne sais plus parler, Fufu. T'arrives à capter des trucs? Ouais, j'ai capté deux trucs là. Incroyable, t'es juste le meilleur. Après, on a un autre là-bas. Après, on a pas fini d'escalader, hein. Aiden, c'est Jack. On a rétabli le courant dans la majorité du bâtiment. Bah, nickel. Mais les ascenseurs sont encore en rade. C'est comment de ton côté? Je suis au sommet de la deuxième tour. Et je me demande bien comment je vais retourner sur le bâtiment principal. Attends, avant la chute, il y avait des travaux, tu te trouves? Il devrait y avoir une grue ou un truc, non?
T'as repéré des trucs? Super toi, idée. Des tours radio. Merci. Enfin, je suis vraiment flingué, hein, je repère rien. Bon, bon, on verra ça lors du prochain épisode. Yes. N'oubliez pas de laisser un commentaire. À bientôt, évidemment, pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 35. Bisous tout le monde. Bye bye. Bye. T'es où? Je suis là. Non, incroyable. Bye.